c'est se faire l'intro. Je te dirais oui, mais baisse-le. Tu parles tout doucement. Et il comprend rien, celui-ci. Il comprend rien du tout. Et bonjour mon petit birdie, comment ça va aujourd'hui? Et ça va très bien. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Wolfenstein Youngblood. Tout à fait. En coop, et on va essayer en fait le tout nouveau patch que vient de déployer les développeurs du jeu pour activer le ray tracing dans le jeu. Très bien. Donc voilà, alors moi j'avais vu que Nvidia avait annoncé que le ray tracing serait dispo à la sortie de ce jeu. Et qu'en fait ça arrive plusieurs mois, 3 mois au moins après, moi j'avais attendu un peu pour faire ce jeu, donc là du coup c'est l'occasion de le faire. Alors, je pensais que tu l'avais déjà fait celui-là. Hein. Non, je l'ai pas fait, j'attendais d'avoir le ray tracing. Découverte, magnifique. Donc on passe sur la bonne scène, c'est parti. Hop, bonjour tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. Alors attends, la webcam, je vais la recaler un petit peu, c'est pas mal comme ça. Voilà. Salut. Donc du coup je joue avec mon fidèle birdie qui est sur l'autre machine à côté. Je vais jouer à la manette pour pas que ça vous donne envie de vomir quand je remue. Alors, petite info sur la config, on est sur une RTX 2080 Super. Je joue en 2K avec le ray tracing et tous les graphismes à fond. Attends, invité, birdie, je ne te vois pas dans les amis. Tu n'es pas dans Comment les... ça, tu vois pas, mais tu n'es pas en jeu, tu n'es pas visible. Je suis dans le jeu, je suis visible. Fais jouer, peut-être. Vas-y. Non, tu vois, t'as pas créé ton perso. Crée d'abord ton perso. Alors, pas le même que moi, du coup. Moi, j'ai pris... Ouais, c'est bon, vas-y. Donc on est sur un Core i7, je sais plus quoi, 8700K. Voilà, sachez que ça tourne très très bien, même avec le ray tracing à fond, on est à peu près à 80-90 FPS, donc c'est vraiment cool. Et même en 3K, j'ai essayé le jeu, je suis à plus de 70 FPS, donc c'est cool. En 4K, pardon. Ok, dis-moi quand c'est bon qu'on lance le jeu parce que. Écoute, je suis bon. Et ben donc maintenant, invité, et je ne te vois toujours pas. Comment ça, tu ne me vois pas? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. Ami uniquement. Ceci est la version Destiny 1, Youngblood. Afin de jouer, vous avez besoin d'un compte Bethesda lié. Bah oui, mais il est lié. T'as lié ton compte Bethesda? Bah oui. Enfin, attends. T'as Funky109? Excusez-nous, hein, c'est un live bien organisé. Est-ce que t'as reçu quelque chose? Mais comment se fait-ce? Non. Ça n'est pas du tout normal. Funky, c'est comment déjà? FUNK2E69 sans majuscule. Oui, c'est ça. Hein. Sans majuscule. Ah, il n'y a pas de majuscule à Funky. Incroyable. Ouais, ça change rien. Bon, ça commence bien. Alors. c'est merveilleux. Et si tu fais échappe là, tu fais rejoindre, jouer. Vas-y, tu fais. Non, en fait, il me dit il faut un compte machin lié et tout ça, et comme si j'avais pas lié mon compte alors. Bah, ouais, en fait, ouais, c'est ça qu'il te dit. Et dans Ami là-haut, là, si tu vas dans Ami, au-dessus. Non, j'ai rien, c'est ce que j'ai fait juste avant. Si, tu m'as. Ah, si, regarde. Ouais. Tu m'as, ok, mais alors pourquoi du coup tu peux pas. Utiliser le buddy pass. Attends, regarde, hop. Votre ami dans le save à son décès, ok. C'est bon, en fait, je vais t'envoyer une invite, je pense. Normalement, là, je devrais te voir. Via le buddy pass. Non. Et où est-ce que t'avais lié ton compte dans le jeu? Attends. Hein? Quoi? Est-ce que t'avais lié ton compte dans le jeu? Mon compte est lié dans le jeu. Comment tu Moi normalement là je devrais te voir, il faut. Fais jouer. Comment tu l'as lié dans le jeu? Non mais ça me fait toujours pareil. Comment tu l'as lié dans le jeu? Bah c'est au démarrage du jeu, il t'a demandé de te connecter. Oui, ce que j'ai fait tout à l'heure là. Ouais. Bah quitte le jeu, relance-le peut-être. Voilà, donc un live avant tout bien préparé, et ça c'est important de bien préparer les lives. Pour bon, je vais lancer une partie en attendant que mon ami Birdie fasse la bonne manie. J'arrive, ne lance pas ça. Est-ce que je suis tout seul? Non, tu n'es pas tout seul, en fait, nous sommes actuellement 13 en tout sur les réseaux sociaux.
puisqu'on stream sur Twitch, sur Twitter, et sur YouTube et Facebook en même temps. On ratisse large, comme on dit. Peut-être que tu peux en profiter pour nous rappeler ce qu'apporte le retracing finalement. Ouais, c'est plus beau. D'accord, bah merci pour ton meublage. Alors, c'est bizarre parce que. Invite un ami avec la version DC du jeu, tu vois, c'est ce que je fais, il devrait te voir, il te voit pas, donc. Ton compte est bien lié, hein, c'est sûr. Hein. Mais ouais, bah, là, il va pas redemander dans le jeu de lier mon compte ou de faire quoi que ce soit. C'est quoi ton pseudo Comme sur Discord, avec des majuscules. Majuscules, majuscules, majuscules. Partout. Non, tu veux pas mettre tes majuscules du coup. C'est bon. Il y a des majuscules à chaque début de mot. Il te l'a envoyé. Regarde, c'est écrit en haut. Ah, c'est magnifique. Donc, accepte-la, fais quelque chose. Voilà, accepté. Voilà. Probablement, je dois pouvoir t'inviter maintenant. Il t'a demandé. Est-ce qu'il t'a redemandé de te connecter? Non. Pas du tout. Ok, c'est bon. C'est bon. Invité à l'ami. Allez hop. Yes, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce que Wolfenstein Youngblood? Alors, est-ce que tu as accepté là? Il faut que tu cliques invitation d'ami. Accepté. Voilà. Allez. Donc toi, t'es la jolie blonde et moi, je suis la jolie brune. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'apporte le ray tracing? Donc. Le ray tracing, c'est une technologie qui permet en fait de calculer. Le groupe dans lequel vous étiez a été dissous par l'autre. Ah, mais je vois que c'est extrêmement stable ce jeu, j'ai rien dissous, bien entendu. Hein. Tu penses bien que. Si t'as pas envie de jouer avec moi, tu dis tout de suite. Hein. Les gens seront témoins. Alors là, est-ce que ça te repropose quelque chose, quoi que ce soit? Essaye de me rejoindre. Sinon, je peux pas la faire jouer ou quoi que ce soit, et en fait, faut que tu m'invites sinon. Ah, je peux pas en fait, Fujio, je suis obligé de retourner au menu principal. Pourtant, t'étais dans. Et là, je te vois même dans le menu de pause, je te vois en groupe. Maximilien Gorin, bonjour, le lien de la chaîne Twitch. Écoute, tu vas sur Clubic et tu vas voir à la une du site, tu as une news qui nous t'emmène sur le Twitch. Tout à fait. Sinon, c'est Clubic underscore gaming. C'est twitch.tv / Clubic underscore gaming. Ok, continuer, héberger, on va y arriver, utiliser le body pass, I'm the birdie man, invité, accepter, on est bon, et je lance la partie, on espère que cette fois-ci, voulez-vous lancer la partie hors ligne, putain mais, privé, ami uniquement, c'est bon, lancez la partie, allez, cette fois-ci c'est la bonne les gars, et je vais enfin vous expliquer ce qu'apporte le ray tracing. Vas-y, dis-nous tout. Donc, le ray tracing c'est une technique... d'informatique graphique qui permet en fait de calculer les scènes en utilisant un jeté de rayons, c'est-à-dire au lieu d'avoir dans la technique normale de la 3D des polygones et des textures plaquées, des fausses lumières un peu dans les scènes, ici on va avoir une façon de simuler la lumière qui est très proche de la réalité. Bon, j'entrerai pas non plus dans les détails, mais globalement ce que ça permet c'est d'avoir des effets de lumière, d'ombre, de transparence bien plus réaliste en fait, et notamment dans ce jeu là le ray tracing il va s'appliquer sur deux choses, c'est sur les reflets et si je dis pas de conneries sur les ombres. Voilà, bon alors du coup là c'est le tout début du jeu. Alors je joue à la manette histoire que ça vous file pas trop la gerbe. C'est très bon en tout cas. Ouais, le jeu est beau. Alors le jeu utilise le moteur, l'ID Tech 6, une des dernières versions du moteur d'ID Software, les papas de Doom. Vous voyez les ombres là? Toutes ces ombres là, elles sont générées via Ray Tracing. Ça permet d'avoir des ombres ultra réalistes en fait. C'est très réaliste, voilà. Il n'y a pas en fait d'ombres qui sont des simples JPEG texturés. Quoi. Exactement, les ombres ce sont des ombres, des véritables ombres portées depuis des sources de lumière. Alors j'ai quelques petites baisses de framerate, je me demande si... Bon ça doit être lié à la config de... Tiens là je t'attends en fait, il y a des coffres qu'on peut ouvrir qu'à deux. Ah pardon, excuse-moi. Je sais pas où est-ce que je dois faut mettre. Faut que tu me de l'autre côté. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont déjà joué à ce jeu?
La roue des armes, hop. Il y a des gens qui n'ont pas l'air ultra contents. Alors ce sont des nazis, hein. Donc globalement, on peut les tuer sans vraiment trop se poser de questions, hein. Hein, le nazi ne rentre pas dans le... Voilà, dans les... Oui, on part du principe des gens, pas ouf de base, quoi. Ouais, il y a plus sympa, quoi. Après, moi, personnellement, je connais une amicale d'ancien nazi. Peut-être, je pense que tu vas déraper, là. Ok. Ouais. Donc du coup, je reviens un peu sur la techno là, sur le ray tracing. Alors forcément là, dans ce niveau là, il n'y a pas vraiment de reflet. Donc c'est vrai que ça apporte pas grand chose. J'imagine qu'il va y avoir des scènes un peu plus loin dans le jeu où on va avoir des vitres ou des flaques d'eau, des trucs qui permettent vraiment de, en fait, d'avoir des reflets intéressants. Le ray tracing, il fonctionne aussi avec de pair une autre technologie de Nvidia qui s'appelle le DLSS Deep Learning Super Sampling, qui permet en fait de calculer le rendu du jeu dans une résolution inférieure à la résolution native de l'écran, et derrière de faire un upscaling hyper qualitatif via le système de Nvidia, ce qui permet en fait d'artificiellement booster la résolution sans perte de qualité et du coup d'obtenir des performances bien supérieures. Le ray tracing, on le sait, c'est une techno qui consomme énormément de performance, de puissance. Du coup, le DLSS permet en fait de réduire la puissance requise et du coup de compenser la chute de FPS qui est liée au ray tracing. Bon, en l'occurrence, là, je sais pas ce qu'on branle là. Faut aller où là? Je suis en train de. Je vais faire un truc quand même parce que là, j'ai des baisses de framerate qui sont assez relous. Sur le stream? Non, sur le. Ah, ok. Mais je pense que c'est lié à l'encodage du stream. Le ray tracing, ça consomme énormément d'énergie, de puissance. Donc je pense en fait que... Ok. Alors chose à rappeler quand même qui est importante pour les noobs du ray tracing. En fait, le ray tracing n'est pas du tout une technologie Nvidia. C'est une technologie DirectX, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on a souvent l'impression que c'est une technologie Nvidia. C'est la seule carte aujourd'hui, le seul constructeur qui utilise vraiment cette techno, mais ce n'est pas du tout une technologie. Alors, c'est même pas une techno. Ouais, en fait, c'est même pas une techno DirectX. Le ray tracing, c'est une technique qui existe depuis, je sais pas, peut-être 30 ans en fait. Mise en place par DirectX à la base. Non, ça existe depuis 30 ans. Le ray tracing, c'est utilisé dans l'industrie du cinéma, notamment sur les films 3D, les Pixar et compagnie. Toutes les scènes rendues en 3D depuis plus de 30 ans. Sauf que ça. Si vous voulez, les composants de ces dernières années, de ces 30 dernières années, n'étaient pas capables de faire des rendus 3D avec Ray Tracing en temps réel. Okay. Donc du coup, ce qu'a permis la dernière génération de cartes graphiques Nvidia et la génération Turing, c'est d'apporter des composants dans les puces Turing capables de calculer en temps réel, d'aider au calcul en temps réel sur des fonctions qui sont liées au Ray Tracing. Par contre là, il faut qu'on aille regarder chacun de notre côté activer le truc orange là, le code, je pense. Alors par contre le code, où est-ce qu'on le retrouve? Parce qu'il me l'a donné mais je m'en souviens plus. Il nous l'a donné, alors tu dois l'avoir dans ton journal. Regarde si tu vas dans ta collection disquette, qu'est-ce qu'on a? Décoder les informations de cette disquette sur le terminal. Alors il faut aller décoder la disquette. Je l'ai fait. Et ben donc t'as eu un code. Oui, mais je sais plus ce que c'est. Et ben donc tu fais le menu pause et tu vas voir. Tu vas voir dans les informations, il a dû le noter en fait. Tu fais pause en fait, juste t'appuies pause. Oui. Et là tu vas dans le. Non, ça c'est pas le bout de pause ça. Là c'est le menu du jeu. Il faut que tu ailles dans le menu en gros. Toi ton menu où t'as ici mission, personnage, arme, aide, collection. Ça doit être tab probablement. A priori non. Bah I, J, P, j'en sais rien, C. Voilà. Tu vas dans aide, dans collection. C'est 84 31. 84 31, allez, c'est parti.
Donc c'est un jeu aussi qui se joue en coop, mais pas que. Mais pas que. Non, non, tu peux jouer en solo en fait. Si tu joues en solo, t'as une IA. C'est quoi le code 84, tu m'as dit? 84-31. Voilà. Bon, en fait, les baisses de framerate que j'ai, elles sont pas dues au jeu, elles sont vraiment dues à OBS et à la capture. En fait, on fait une capture d'écran et c'est pas terrible. Malheureusement, c'est pas la meilleure des solutions. C'est beau, hein, vraiment. Le jeu est beau. Alors, vous voyez là, ce que vous voyez en. Les reflets que vous voyez sur le marbre ici, ça a des reflets qui sont générés en temps réel. Allez, tuons du nazi. Ils sont pas super contents de nous voir. Non. Bon, évidemment, c'est assez violent quand même. Tout à fait. C'est très très beau. Très 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 beau. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur le ray tracing, sur le jeu, sur un peu tout ça. Et évidemment, n'hésitez pas à balancer du follow en masse. Bien entendu, on prend toujours le follow, les chèques, les abonnements, les comptes PayPal, les cartes bleues, tout les quoi. Tickets resto aussi, je crois. Tickets resto, ouais, depuis peu, ouais, c'est vrai, tout à fait. On avait avec Phil, on peut prendre les tickets resto. Ouais, voilà. Bien beaucoup d'idées à ouvrir cette porte. Allez, voilà, je suis là. Donc, évidemment, c'est un jeu en coop, alors on participe à deux. Hein. Allez Michel, passe sous la porte Michel. Ça y est, je suis passé. Par contre, je. Alors attendez, je vais faire juste une micro manip. Parce qu'en fait, c'est assez désagréable ces changements de. Hop, je vais juste vérifier si je peux passer sur la capture de jeu. Parce que clairement, c'est vraiment, vraiment désagréable. Donc. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais. Hop. Je vérifie, ça marche pas, tant pis, ça marchera pas. Et bonjour à Wobil Darmis qui me demande, ça je pense que je me tourne vers toi, Funky. Ouais, okay, ça marche si, pas. On accepte les chèques en bois. Écoute, on prend les chèques en toutes les matières, hein, y a aucun souci. Ouais, ouais, d'accord, voilà. Nickel. Donc les chèques en bois sont bel et bien acceptés. On est d'ailleurs payé via chèque en bois. Hein. Voilà, tout à fait. Nos salaires tous les mois sont versés en chèque en bois. Tout à fait. En rouble. Qu'est-ce que... Non, attends, on vient d'où là? Oui, c'est la doute, c'est la doute. Ok, Michel, c'est parti, continue l'aventure. On va ouvrir ce coffre là, hop, attention, on revient en arrière, voilà. Et on ouvre ce petit coffre. Est-ce qu'on a des questions du chat? Bonjour, Wovillard Darmis. Je viens de le dire en fait. Ouais, et alors moi aussi j'ai envie de lui dire bonjour donc. Je comprends vraiment pas ce que je dis, c'est difficile. Je me permets de tuer l'intégralité des ennemis parce que j'ai vu que mon petit FPS c'était clairement pas le meilleur. Alors moi personnellement je suis en train de tuer les ennemis là. Je suis même mort en fait. Hein. Appeler à l'aide ou se laisser mourir. Vous notez hein, dans le chat, hein, c'est la première mort de Funky. J'ai besoin d'un coup de main. C'est sûrement pas la dernière. Hein. Quand tu veux, hein, tu viens m'aider. Ouais bah t'es gentil, il y a des ennemis en fait. Si tu veux un bretzel, regarde, il y a du bretzel juste à côté dans le frigo. Si jamais. Non, ça m'intéresse pas du tout. C'est bon, j'ai nettoyé la salle. Pas du tout, ça vient d'arrière en fait. Merci à toi de raconter n'importe quoi. Alors, fais tout de suite y voir. Ok.
Alors je sais plus dans ce jeu, est-ce qu'il faut ramasser les munitions ou est-ce qu'elle se ramasse toute seule? Elle se ramasse toute seule. Est-ce okay. que tu peux venir m'aider à ouvrir cette porte? Écoute, non, pour l'instant je fais un petit plein de munitions parce que je suis à sec, alors tu attendras, je t'en prie. C'est extrêmement pénible, vous l'remarquez déjà. Voilà. Combien sommes-nous en tout là? On est combien exactement? Mais écoute, en fait, dès que tu te mets à parler, il y a pas mal de gens qui partent. Voilà, et ça c'est des choses qui arrivent souvent. C'est un peu le résumé de ma vie. Qu'est-ce que quoi là? Alors ça fait quoi ça? Ah, bon, y a le général Finker qui nous parle. Ce cher général Finker, vraiment quelqu'un te vraiment adorable. Michel, j'aime ça quand l'ascenseur il est bloqué. Oh mon dieu, moi je suis claustrophobe. Et moi aussi je suis claustrophobe, j'aime pas ça Michel. Bon, il faut ouvrir, j'ai pas ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte, hein. Allez, vas-y, je t'aide. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, en fait, on revient là où on était, Michel. Ça, c'est quand même bizarre. Mais je sais, mais je sais pas. Je cherche Michel. Le général Finker qui nous parle. Oh putain, fais attention, Michel. Derrière toi, Michel. Je n'y crois pas à ce genre de blague. Non, mais je te jure, Michel. Il y avait un méchant. Ouais. Je sais pas si fallait dehors, Michel. Regarde, viens là. Viens. Général ? Général Finkler, où êtes-vous fou? Bon, est-ce que des gens dans le chat ont déjà joué à... Ah ouais, d'accord. Pourquoi je suis en fait ces calls complètement nul à chaque fois? Est-ce que des gens dans le chat ont déjà joué à un Wolfenstein? Est-ce que t'avais remarqué, Michel, qu'on est dans le ciel? Oui, tout à fait. J'ai vu d'ailleurs qu'on était dans un vaisseau spatial. Non, c'est en pas fait, du tout un vaisseau spatial. Les sushis ont l'air pas mal. Hein. Non, je pense c'est vraiment ici, Michel, hein, qu'il faut aller. Hein. Est-ce que tu crois que vu le nombre de croix gammées dans ce jeu, ils ont eu des problèmes? Non, puisque la croix gammée n'est pas interdite quand c'est une reconstitution historique d'une époque, même fictive. Alors, j'adore parce qu'il vient de parler comme un avocat. Mais en fait, je suis avocat, Michel. Genre, tu racontes n'importe quoi. Non, c'est vrai, Michel, c'est parfaitement vrai ce que je te dis. Un peu de confiance, hein. Je te fais confiance. Bon, c'est forcément par là, hein. Il y a un truc qu'on a dû rater. Viens, oui, c'est là. Allez Michel, on ouvre. Peut-être faut se faire la courte paille. On dit la courte chaîne. Je sais Michel, c'est une blague. Ah oh, putain, il est con tu vois. Non mais en vrai. Oh j'ai monté. Ah ouais tu vois on peut monter, je savais. Ça se voit que je suis là. Ouais. Je suis désolé le tunnel. C'est bon Michel. J'ai tué un nazi Michel. Mais le mec il me tire dessus, c'est pas vrai. C'est mal branlé quand même, hein. Comment on sait où qu'on va? Comment on sait d'où qu'on va? Où qu'on va là? Regarde Michel, il faut monter là-dessus là, regarde c'est bon j'ai trouvé. Ah c'est qu'on a un double saut en fait. Ouais en fait on a un double saut, et même des combinaisons magiques t'as vu? Tu veux dire des exosquelettes? Des exosquelettes Michel. Est-ce qu'elles sont sœurs ces deux petites femmes là? Elles sont sœurs, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, ce sont les filles jumelles du héros des autres Wolfenstein. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Il faut faire des doubles sauts. Merci, grosse palourde. Excellent. Grosse palourde. Merci à toi, grosse palourde, pour cette information. Pourquoi il y a des éléments? Ils viennent nous embêter. Merci grosse palourde pour cette info, mais tu m'attends pas du tout en fait là. Non, pas du tout, mais en fait je sais pas ce que tu fous en vrai. Mais j'avais pas trouvé le saut en fait. Alors moi je ne trouve pas, ah voilà, la lampe torche pour ton information c'est où, là, flèche vers le bas. Bah je suis là où faut aller, je t'attends, va au point orange. Attends, Michel, on n'est pas du tout au même endroit là, il faudrait que tu t'arrêtes d'avancer là en fait. Je sais pas où t'es, je sais pas. En fait, continue là, monte, là-haut là, tu vas tu suis le chemin. En fait, hein, donc il me disait d'aller à l'inverse, mais c'est là où j'étais. Je t'ai rien dit du tout, monte là-haut. Mais là, faut monter. Là ouais, en fait, faut monter tout le long quoi, là où il y a les lumières jaunes. Les lumières jaunes, en gros, c'est le petit guide visuel pour te dire où faut aller. D'accord. Tout droit là.
Là, tu as un truc pour. Tu... En face, t'as pas un truc pour sauter? À gauche? Derrière toi? En haut? Voilà, là. D'accord. Continue encore. Tout en face, là-bas. Voilà. D'accord. Là, tu mets ta lampe torche. T'as dit que c'était quoi? Ben, toi, ça doit être T ou C, je sais pas. T'as les Z à droite de ton écran qui te montent là, tu vois, avec les lettres. T, C, à droite de ton écran. Oui, je vois, je vois. Donc tu en as une qui t'explique pour allumer. Alors, généralement, la lampe torche, c'est F, hein, la plupart du temps sur les jeux flashlight. C'est bon, Michel, t'as retrouvé le chemin? C'est bon, ben, voilà, c'est bien. Alors, c'est par là, je pense. C'est très sobre ici. Hein. Et c'est fait exprès, Michel. C'est fait exprès, à mon avis. Le but là, ça va être. De descendre, alors je sais pas trop par où. Il faut descendre. Ouais, ils sont énervés encore là. Hein. Généralement, moi j'ai jamais croisé de nazi calme, tu vois. Généralement, les nazis n'est pas très zen. Hein. Faut m'aider là, Michel, il faut m'aider. Tu descends. Ah, t'es là-bas, mais je suis là, je suis là, je suis là, j'arrive. Et tu vois, tu dis que je t'attends pas, mais tu m'attends pas non plus, donc bon. Moi, je trouve que le nazi se tue facilement quand même. C'est assez agréable. Et ils faisaient la fête là, les nazis. Parce qu'il y a une boule à paillettes, hein, à facettes. Hein. C'est quoi ces robots là? Il y a des robots? Ouais, y'a un mec qui a l'air vraiment pas très cool. Ouais, attends, parce que là j'ai crevé personnellement. Bon, c'est bon. J'essaie de tenir 2 secondes. Ah ouais, je le vois. On a pas des grenades? Je sais pas, Michel. Je suis blessé, Michel. T'es mort, tu veux dire? Je suis blessé. Non, non, je suis blessé. Ça n'a rien à voir. Je vais me laisser mourir pour voir ce que ça donne. Je suppose qu'on... Ah d'accord, on a une vie partagée, ok. Diesel, il s'appelle le truc. Le gros méchant, il s'appelle Diesel? Ouais, comment on fait pour balancer une grenade? C'est ouf ça, j'arrive pas à trouver. C'est bon, je l'ai tué. Non, je pense pas, non. C'est bon, je l'ai tué tout seul, c'est bon. Pas prendre ses armes? Pas prendre ses armes. En termes d'accueil, on a connu mieux. Hein. C'est pas faux, Michel. Ok, il faut qu'on active chacun de notre côté un truc là. C'est bon pour moi. Faites gaffe, si vous n'avez plus de vie, vous recommencez tout depuis le début. Ah bah, c'est une excellente information que nous n'avions pas. Et qui effectivement a le mérite d'être. Je viens de recevoir. Très beaux effets de lumière. Très très beaux effets de lumière. Alors, il faut encore qu'on appuie sur un truc en même temps. Combien on est en tout là? On a une petite. On a 38 personnes, une petite quarantaine de personnes. N'hésitez pas à follow, les gars. N'hésitez pas à follow, tout ça quoi. Tout ça quoi, exactement, parce que nous on aime notre commu, on lui rend bien. Ah, nous on aime énormément la commu. La commu c'est. Attends, regarde là, il y a les méchants là. Je vais pas les tuer, je pense. Ah! Ah bah dis donc, c'est pas sympa celle-là. Elle est où là? Bah il est un peu invisible. Elle a pas un truc, ouais, c'est ça que j'allais dire, elle est invisible. Wow wow wow. Je suis blessé, Michel, il faut que tu me raises. Ah bah non, mais je peux pas. Ah bah il faut parce que c'est notre dernière vie, Michel.
Excellent doublage, merci. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. On est censé avoir chacun un pouvoir. Toi, t'es censé pouvoir être invisible. Et moi, je suis censé pouvoir... je sais pas d'ailleurs. J'ai un truc qui s'appelle plaquage. Alors, attends, j'essaie de trouver les boutons. Il est où le gros méchant, là? C'est bizarre quand même qu'on ait pas de grenades dans le jeu. On avait des grenades dans les autres Wolfenstein. Elle est en bas. One shot. On est à la quatrième mort de Stinky. Bah c'est normal en fait, c'est pour l'attirer hein. C'était important pour les stats hein. Tu la vois là? Je vois pas où elle est. Non. Ouais, là-haut. On lui a enlevé un tiers de sa vie. Attends, il y a les... C'est bon, attends, je reste une seconde. Je clean juste la salle. Schnell. Je suis mort. Je suis blessé, Jess. Faut que tu viennes me prêter ma force. Oh. Il est en haut. Il est descendu. Elle est dedans. Fais gaffe, elle est dedans. Le reste est assez rapide, heureusement. Ouais, grave. Ça va plus. Ça va plus non plus. Je la vois pas. Elle est où, bordel? Elle doit être dans la petite salle là-bas, non? Ouais, je pense. C'est joli, hein. Allez là, à gauche. Les effets de lumière sont plutôt gauche. Ah d'accord, ok. Putain, mais c'est... Non, c'est un one shot, mec. J'ai besoin d'un petit coup de main, Jess. Je suis blessé, Jess. J'ai besoin d'un coup de main. Vous pouvez changer votre pouvoir dans les menus. Ce qui lui qui redonne de la vie est pas mal, nous dit grosse palourde. Eh bien, c'est bon à savoir. Moi, je sais même pas comment l'activer, mon pouvoir, d'ailleurs, hein, entre parenthèses, là, donc... Oh, t'inquiète pas, bah, je vais tuer. Oh, il va passer par la turbine, filme-moi ça. Y'a des ennemis, non? Voilà. Ah, mais y'a du friendly fire. Vous pouvez changer votre pouvoir dans le menu, ce qui donne de la vie. Tu veux passer la cinématique, please? Tout à fait. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce petit jeu-là? Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà testé. Toi, c'est vraiment une découverte, je pensais que tu y avais joué. J'ai joué 10 minutes, en fait, et j'ai vu qu'en fait, ils avaient pris du retard dans l'implantation du ray tracing. Alors, très honnêtement, là, je ne vois pas ce que ça apporte, hein, parce que malheureusement, il y a très peu de choses dans les décors qui peuvent... Après, il faudrait peut-être voir sans, peut-être que ça nous permettrait de... Tu peux passer à la cinématique encore? Ouais, pas sûr. Alors on s'en va au Mexique. Encore, ouais, encore, on va toutes les passer en fait. Voilà. C'est bon. Alors. Un Mexique un poil apocalyptique. Regagnez les catacombes, Juju veut vous parler. Alors là par exemple, ici là on est dans typiquement, là, un reflet de flaque d'eau, on est typiquement sur une application du ray tracing. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, ça déconne. Parce que là, le reflet, il est pas. Ça reflète pas le tonneau, il y a une espèce de point de lumière au devant là. Revenez vite nous voir pour planifier avec Jacques notre prochaine action. J'ai terminé.
Donc on est où là? On est au Mexique apparemment, Michel. Ah, je suis mort. Je suis mort, Michel. Ouais, et une seconde là, genre, je me barre en fait, je peux rien faire et je vais mourir aussi. Je peux compter sur les amis. Derrière toi, Michel. Il y a encore un diesel, Michel. Ah, c'est beau. Bah, tu peux me raise instantanément puisque je me suis sacrifié pour 13. Il y a beaucoup de monde là, Michel, tu sais. Et bah, c'est exactement ce que je viens de faire donc. Je suis mort. Bah, je suis mort aussi en fait, hein, vu que tu m'as pas raise. Mais non, mais tu es insupportable dans les jeux, tu mords 1000 fois. Et le gars. Voilà, vous avez vu, il arrive même pas à parler. Parce que tu m'insupportes dans les jeux en coop, en fait, c'est vrai que tu m'insupportes. Voilà, c'est qui chauffe? C'est pas moi, hein, sauf, c'est toi. Ton pouvoir, c'est la flèche du haut de la manette, c'est marqué à droite de ton écran. Alors que VD nous dit, eh bé, ambiance, on est toujours avec Funky, toujours. Un véritable plaisir. Tu ne tromperas, tu ne tromperas personne, Birdie. Tout le monde connaît tes célèbres rage kits. Oh, c'est trop facile de jouer sur ça uniquement. Je vous invite à aller voir dans les replays une célèbre vidéo sur la chaîne sur NBA 2K. Je vous invite vraiment. Écoutez-le, c'est un truc. Je trouve que c'est quand même assez corsé pour un des premiers niveaux du jeu. Pourtant, j'ai pas choisi de niveau de difficulté particulier. Jess, t'es passé où? J'aurais besoin de ton aide là. Voilà, donc là vous êtes prêts encore une fois, parce que a priori, vous pouvez les dire ce que je dis. Hein. Funky est encore mort, hein, une énième fois. Tu pourrais m'aider? Donc ce jeu chez moi consiste à raid. Mais après, le truc, c'est que j'ai tué environ 6 fois le nombre de nazis qu'a tué Birdie. Donc après, voilà, il faut regarder. Au final, c'est un peu le ratio. La mauvaise foi incarnée, il n'y a aucun problème. On regardera le nombre de morts. Parce que c'est facile de se cacher derrière un poteau pour ne pas mourir. Hein. Y a pas de soucis. Voilà, c'est bon, je l'ai tué. Voilà, j'imagine que tu l'as tué, voilà. Très bien. Ça, c'est des phrases que j'ai entendues dans chacun des jeux. C'est pas moi qui fais les jeux en mode ultra facile. Voilà, alors, maintenant. C'est vrai que le nombre de mobs est assez important. T'es encore mort, mais c'est pas possible. Écoutez-le, on continue dans petit effort, c'est pour cela que vous galérez. Peut-être qu'on n'utilise pas nos pouvoirs, effectivement, c'est même une certitude. Je vais aller regarder où est-ce que c'est, les pouvoirs, comment... Raise-moi. Non, je suis mort, je te l'avais dit, hein, c'est... Bah, je t'ai raise, en fait, là, à l'instant. T'es remort instantanément direct, ah oui. Carrément. Je regardais les commandes, le pouvoir... Je me rendais compte quand même que le mec est mort 25 000 fois et qu'il ose me dire t'es encore mort. Non mais c'est. C'est fantastique. T'es vraiment fantastique. Alors. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que. Eh merde, qu'on faudrait peut-être qu'on regarde comment fonctionnent ses pouvoirs. Ouais, faut regarder les pouvoirs effectivement. Là on est parti comme sur Doom. C'est sûrement pas la bonne solution. Allez, c'est parti. Et à ce moment-là, peut-être le plus simple, c'est que tu bouges pas d'ici et je m'occupe des mecs. Vas-y, écoute, je te regarde. Pas de soucis. On va faire exactement comme tu dis. Alors, je vais rester derrière, je vais juste filmer la scène et tu vas nettoyer. Ça roule. Alors, voyons voir les pouvoirs. Esprit, capacité, esprit, force, pouvoir. Il y a quoi? Il y a les points à dépenser, peut-être? Ah oui, d'accord. Ah, mais il y a carrément une espèce de petite composante... une petite composante RPG presque. Donc en fait on dépense des points. Fais voir, les points les a où? Ici j'en ai 5. Coup 1. Second secours. Et tu les dépenses comment?
Moi, je vois pas où est-ce qu'on choisit le pouvoir dans les menus. Double saut, plaquage. Appuyez sur left stick pour foncer sur un ennemi ou un objet. Appuyez sur A, puis B pour effectuer une attaque percutante. Ouais. La salle est clean, hein. Plaquage percutant, c'est quoi ça? Appuyez sur A, puis B pour effectuer une attaque percutante. Alors, fais voir. Je fais ça, A et B. Ah, d'accord. Ah oui, ça a l'air pas mal ça. Un nazi pour que j'essaye. Là, plein de nazis, fais voir. Ouais, bon. Ouais, d'accord, en fait, faut aller sur eux, quoi. J'avoue qu'un fast FPS comme ça à jouer à la manette, c'est pas non plus hyper pratique. Je vais passer au clavier. Je vais passer au clavier et on va voir si ça vous file la gerbe. Si ça vous file la gerbe, je repasserai à la manette. Voilà. Voilà, donc vous avez remarqué, juste pour information, c'est quand même important de préciser, je viens de casser la salle absolument tout seul, en moins de temps que quand j'étais avec... Rappelle-moi dans ça. Bon, alors clairement, c'est beaucoup plus simple pour viser au clavier. Par contre, n'hésitez pas à nous dire si... N'hésitez pas à nous dire si ça foule la gerbe, parce que du coup, je joue avec la manette pour que les angles de vision soient un peu plus fluides, on va dire. Mais du coup, sur un fast FPS, c'est quand même pas ce qui se fait mieux, quoi. Clairement. Comment on fait le corps à corps? Je cherche le bouton corps à corps, c'est quoi? T'as trouvé? Non. V peut-être? C? Non. F? Y'a pas de corps à corps ou quoi? C'est fou ça! Y'a pas de coup de cac! Non, c'est si, pas si, la roulette. Corps à corps, si. Bah écoute, roulette, moi il lance une espèce de caillou de merde. Ah, j'ai mon pouvoir, ça y est. T'es très énervé, ce monsieur. Le code, il faut qu'on trouve le code. Comment ça se fait que tu sois pas encore mort? Je réponds même pas à ces petites provocations de noob. Le code, on doit trouver le code. Alors j'imagine qu'il va falloir trouver comme tout à l'heure un ordinateur pour décoder. Il y a encore un mec énervé là. Est-ce que t'as des grenades toi? C'est un truc de ouf. J'ai pas de grenades moi. Excuse-moi, je tue le boss. Oh putain. Je sais pas si je vais continuer à jouer en coop avec toi, ça vaut bien à quel point c'est agréable. T'as vu, on a des capacités que l'on peut augmenter. Ouais, c'est ce que je disais il y a deux minutes. Ah voilà, en appuyant sur la roulette de la souris, nous pouvons lancer des choses. Merci à toi. Ouais, mais du coup, alors... En fait, c'est pas du corps à corps pour moi, lancer des choses. Il n'y a pas un coup, tu sais, pour lui foutre un gros coup, une grosse droite, quand t'as un ennemi qui est trop proche de toi. À mon avis, t'auras jamais le temps d'arriver au corps à corps, Funky, mon pauvre Funky. Tu seras déjà mort de... Tu me fatigues. Allez, est-ce que tu pourrais essayer de trouver le code, s'il te plaît? Cool, merci. Alors, j'ai trouvé, hein, évidemment, hein, je me permets d'avancer. Hein. Code de porte du Nash Falter. Ok, bah en fait, faut trouver un terminal. Mais j'ai trouvé ici. C'est là en fait, je l'ai trouvé. J'ai cliqué dessus, il me dit attendre la demande de code. Cool, merci. Ils doivent être en train de vider les rues. Ok, bah là je suis sur le terminal, donc peut-être il y a un truc à faire. 74-88.
Non. C'est 7-4-8-8. Ouais, ouais, c'est ce que je viens de faire. Ça marche pas. Ça, le mec m'offre en prend un con jusqu'au bout, quoi. Allez, test 87-81. 8-7-8-1. Non, mais je vais t'en foutre une, putain. Voilà, excusez-moi. Voilà, non seulement je suis les amis, mais en plus je trouve la solution. C'est aussi ça le gaming. C'est aider des amis en difficulté. Vous savez pourquoi Rémi n'a aucun ami? Alors par contre tu vas éviter de donner mon blast parce que moi je suis un couteau dans la vraie vie. Ah putain. Bah maintenant vous savez. Vous sachez. C'est très joli là, les effets de lumière, le petit coucher de soleil, ces nazis qui se vident de leur sang. Je trouve qu'il y a presque un côté poétique, tu vois. C'est plutôt le gameplay de Colin, ça, oui. C'est poétique, c'est joli. Donc le corps à corps, c'est bien la meilleure la roulette. Hein. Ah d'accord, mais en fait, le corps à corps vient de one-shot un... D'accord. Je trouve qu'à la différence des autres Wolfenstein, on peut pas trop ramasser les grosses armes, genre les armes à rayons, les trucs comme ça. Et c'est vraiment dommage. Oh, j'ai un glitch monstrueux. Ah bah tiens, le mec est mort, il a un glitch. Ça, c'est quand même marrant, ça. Mais je suis pas du tout mort, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, ouais. Mais non, je suis pas mort. Ah, mais si je suis mort, mais attends, c'est trop bizarre. J'ai ouvert une porte, en fait. Bah, la porte, tout est là. Il doit être censé être en main. C'est magnifique, là on profite un peu du moment pour vous montrer à quel point les effets de lumière là sont vraiment vraiment cool. En fait j'ai ouvert cette porte, ça a glitché. Moi j'aime pas mon pouvoir, il est complètement nul. En fait ça fait rien. Fait une espèce de d'onde au sol comme ça là, bam. Mais qui n'a aucun effet sur les ennemis quoi. Mince alors. Mais c'est marrant parce que c'est exactement la même chose avec les armes. C'est quoi qu'on entend là? T'entends là? On entend un bruit. C'est chelou ça. C'est ton pouvoir de plaquage. Ouais, il est nul. Ouais, c'est complètement nul quoi. Rembourser quoi, rembourser ce pouvoir quoi. Rembourser nos invitations. Bon, il faut qu'on aille ici, Michel. Tu peux venir? Ouais, mais je pense que pour ouvrir ici, il faut aller là-bas. Il doit y avoir un truc par là, regarde. Ah, il y a plein de nazis là. Oh, il y avait deux personnes quoi. Ah, bah ça fait plusieurs nazis quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très violent quand même, je trouve même. Hein. Ouais. C'est toujours pas ouvert, Michel. C'est bizarre ça. Atteignez les catacombes. Ouais, ok. Alors, à tous les coups, ça va être un truc souterrain. Est-ce qu'il y aura un autre passage? Regardez ce pro gamer. Il y a quand même beaucoup de croix gammées partout, hein. Ouais, c'est normal, Michel. Hein. Ça te paraît normal, Colin? Bah écoute, oui, parce que en fait, c'est le. Je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, le 4ème ou le 5ème Reich. Dans le jeu. On dit Reich ou Reich? Reich? Je crois qu'on dit Reich, hein. Ouais. Non, mais moi je le prononce pas à l'allemande. Personnage... Alors, il y a Grosse Palourde hein, qui est décidément le référent gaming aujourd'hui, qui nous dit allez dans personnage pouvoir pour en choisir un. Donc peut-être que tu peux changer de pouvoir, vois-tu. Personnage pouvoir, voyons voir. En effet, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'invisibilité, mais qui me plaît pas, ou le plaquage. Bon bah écoute, aucun des deux me plaît, donc je vais garder le plaquage. Les catacombes, bon il doit y avoir un passage. Il doit y avoir un truc, un petit truc. Par là peut-être? Bah non. On teste les choses. Je pense que du coup, Palourde va se dire, ils sont vraiment nuls. Voire débile, ouais.
Et est-ce qu'il faudrait pas qu'on soit tous les deux au niveau de la porte, peut-être? Non, bah non. Tu sais que je l'ai ouvert, moi, cette porte, tout à l'heure. Et ça, c'est passé à travers ou quoi, là? Non, non. Et je l'ai ouverte, en fait, et ça m'a... Est-ce que ce serait pas un bug, là? Parce que tout à l'heure, moi, j'avais un bouton d'action dessus, et j'ai pu l'ouvrir. Parce que là, là, y a aucun moyen d'y retourner, hein. Vous voyez là les reflets sur les fenêtres? Ils sont calculés via le ray tracing. Donc en fait, vous allez avoir un reflet complètement réaliste de la scène derrière. Voilà. Alors mon ami Palourde, toi qui es extrêmement calé dans ce jeu. Très beau pseudo d'ailleurs. Alors c'est le disons que ça sera le viewer de ce stream, je pense. Est-ce que tu aurais des informations? Est-ce que selon toi il faut que nous allions... Moi j'avais... Il parle du pouvoir qui redonne la santé. Ça m'étonne en fait. À mon avis c'est bugué là, je pense que la seule chose qu'on puisse faire c'est... Parce qu'en fait c'est bien ici qu'il faut qu'on aille et je te dis moi j'ai ouvert cette porte et ça m'a... Ça a complètement glitché et ça m'a tué en fait quand j'ai ouvert. Ouais, et bah écoute, du coup là on est bloqué là. Bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un bouton, nous dit Palourde. Ah bon? Pour se TP, un bouton pour se TP. Est-ce qu'il y a un truc pour faire voir renvoyer le joueur, renvoyer l'autre joueur de la seule partie? Alors même si je suis bien que je sois extrêmement tenté de le faire, je ne vais pas le faire. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Non, je pense que, franchement, je pense que là c'est glitché. Hein. Y a pas de. De toute façon, nous, à la base, on est des glitchers. À la base, ouais, on fait du speedrun et on a l'habitude de trouver ce genre de trucs, hein. Mais bon, écoute, à la limite, c'est pas très grave. C'est quasiment l'heure. L'objectif, c'était juste de se faire une petite partie ce midi, tranquillou, pour tester cette version avec le ray tracing. Alors, entre nous. Bon, je trouve que ça apporte pas grand chose. Ouais, voilà. Autant dans ce jeu là en tout cas. Voilà, clairement. Dans un jeu comme Control, avec énormément de reflets partout, ça apporte vraiment quelque chose. À la limite, dans certains jeux comme Shadow of the Tomb Raider, les ombres générées en ray tracing apportent aussi quelque chose. Mais là, sur un fast FPS. Mais du coup, voilà. Je me permets de te poser une question. Oui, n'hésite pas. Quel jeu en ray tracing nous allons bientôt tester qui est absolument ouf en ray tracing? Quel jeu, rappelle-toi. Là c'est la honte hein, parce qu'il aurait dû trouver de suite. Hein. Un jeu que nous allons bientôt tester? Oui. Parce que là c'est la mort absolue en ce moment, il n'y a pas de... Oui, mais un test que l'on pourrait faire avec le ray tracing. Je suis sûr que le chat va trouver avant toi quoi. Un jeu... Ah, un jeu... Non, on peut pas dire ça pour une très bonne raison, c'est qu'on a strictement aucune date sur ce projet-là. Alors, pendant OCES, on a pu essayer Minecraft, la version de Minecraft avec le ray tracing. Sauf que, d'après les développeurs, il y a quasiment très peu de chances que le jeu sorte en 2020. Donc malheureusement, c'est pas du tout bientôt. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas parce que ça serait on est obligé de teaser, t'es pas un mec de YouTube toi. Mais ouais. J'avoue que sur ce jeu-là, bon... Après, il faudrait voir ça, parce que tu vois, effectivement, ici, là, à l'entrée de la porte, l'effet de lumière, il est quand même plutôt bien fait. Et il faudrait voir éventuellement ça. J'aime bien aussi... Non, mais l'effet de lumière, il serait pareil, hein, en fait. Cet effet de lumière, là, à travers la brume, c'est pas quelque chose qui est généré via la tactique. En revanche, là, les flaques, par exemple, qu'on voit immédiatement à l'écran, elles vont refléter vraiment la réalité autour. Donc les bâtiments, c'est pas ce qu'on appelle normalement un cube map. En fait, les développeurs ils prennent la texture des environnements autour et puis en fait ils la plaquent dans un cube invisible au-dessus de la scène et en fait on va avoir un faux reflet qui est tout simplement une version low résolution de la texture qui est appliquée au-dessus. Ici on va avoir un rayon qui va venir frapper le bâtiment, puis revenir dans la flaque d'eau et frapper l'œil du joueur. En réalité, enfin, ça va vraiment être calculé par le jeu et ça va permettre en fait d'avoir des reflets réalistes. Idem ici. Hein. Par exemple, là, vous voyez comme tout se reflète dans le sang qui a coulé de ce nazi, quoi. Le sang de nazi, d'ailleurs, je trouve reflète énormément les décors aux alentours. Vous voyez là, on voit carrément. C'est pas quasiment une image d'horreur absolue, hein. Un drapeau nazi reflété dans une flaque de sang de nazi. Ah,
mais j'ai la réponse à nos questions en fait. Nous sommes sur le Buddy Pass et je pense qu'on arrive à la fin de la démo. Non, le Buddy Pass c'est l'intégralité du jeu, tu peux faire. Bah, quand je m'approche, il me dit le voyage est indisponible dans cette version du jeu. Et ben, quand tu t'approches de quoi, tu dis ? De la porte là ? Ouais. Il m'a mis le voyage est indisponible pour cette version du jeu. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Parce que moi, je devrais pouvoir lancer le truc. Le Buddy Pass, il permet vraiment de faire tout le jeu en coop. Il n'y a pas de juste un niveau, t'imagines ? Sinon, l'arnaque, quoi. Regarde, voyage indisponible pendant cette mission. Ouais, mais je pense que... Je pense vraiment que c'est buggé. On n'a pas moyen de reprendre le... T'en fais voir si on fait... Bon, de toute façon, on va arrêter là, c'est qu'est-ce l'heure. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il nous dit, là, Natos, qui a pété un plomb ? Alléluia, les enfants, Dieu est parmi vous, Dieu à Sharon, Fenki. Moi, je pense qu'il a pas pris ses gouttes. Natos, est-ce que tu as pris tes petites gouttes, s'il te plaît ? Fanboy de toi aussi, je pense qu'il va falloir le recadrer parce que ça devient n'importe quoi, là. Ça a une très mauvaise influence sur ce jeune homme. Ouais. Je sais pas, ouais, je sais pas. Je pense qu'il tourne mal. Pourtant, il m'avait promis d'avoir arrêté le. En fait, il est pas content de l'écho. En fait, Natos, on t'a expliqué, mais probablement qu'il te faut une deuxième explication pour que tu comprennes. Hein. Tout le monde ne comprendra pas avec la même facilité que nous. Mais globalement, vu qu'on est à 1 mètre l'un de l'autre dans une salle avec chacun un micro, l'écho est tout à fait normal. Hein. On peut malheureusement pas faire autrement. Voilà. Donc. Si, la solution qui pourrait être peut-être intéressante, et notamment pour les gens qui nous regardent, c'est qu'en fait tu restes à ton bureau et je joue seul, peut-être. Les gens, à mon avis, préféreraient, je pense. Hein. Ouais, ou alors, moi, potentiellement, la meilleure des solutions, hein, très clairement, c'est à la limite que vous éteignez votre casque, comme ça vous n'aurez pas de son. Voilà. C'est pas faux. Bon, en tout cas, les amis, on est bloqué à cette porte. Alors, moi, juste le ressenti du jeu. C'est cool. Non, mais à la limite, ça nous intéresse pas forcément. Alors, on vous remercie tous d'avoir suivi ce live. C'était un peu catastrophique entre la partie qui a mal démarré. Birdie qui était quand même pas foutu de tuer un nazi, quoi. Voilà. Et le niveau de Funky. Est-ce que y a des jeux là dans les jours à venir, vu que c'est un peu la dèche en ce moment, dans le chat, vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéresseraient de voir, qu'on stream. Ça peut être tout et n'importe quoi. On peut faire du Farming Simulator si jamais ça vous intéresse. Hein. On est vraiment ouvert à tout. Je suis super chaud. Ouais, je suis super chaud. On peut faire un concours de plantation de maïs. Je pense que ça va être passionnant pendant 2 heures. Et on remercie bien sûr My Brazil Juice qui nous sponsorise pour ces vidéos. Voilà, déjà. Et puis voilà. Encore une fois, lâcher, créer des comptes, créer des fake comptes, lâcher énormément de follow. Et pour les jeux, on va réfléchir et puis on va trouver des trucs intéressants. Enfin, il filme, ça dirait même pas quand on regarde de l'ombre. Allez, merci tout le monde et on essaie de revenir demain pour un live. On sait pas encore sur quel jeu, mais on trouvera quelque chose de plus intéressant que Wolfenstein, qui clairement, moi, je. Bah, demandera moins de niveau comme ça, peut-être pour t'amuser. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, ciao,